Alors c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette plateforme de cours. J'ai passé du temps d'abord à écrire les scripts de mes vidéos, à créer le plan de cours, à tourner les vidéos, à faire monter les vidéos. Et tout ça pour donner un accès à des dizaines et des dizaines de vidéos, quel que soit le domaine, qui permettent aux praticiens qui justement se forment avec nous d'avoir un accès continu, 24 heures sur 24, à toutes les vidéos, se référer à n'importe quel chapitre de vidéo qui concerne une intervention qu'ils ont programmée, qu'ils vont avoir d'ici un ou quelques jours. Et donc, ils peuvent anticiper, qu'ils peuvent voir auparavant, ils peuvent voir une intervention qui est similaire. Et même pendant la chirurgie, s'ils ont une difficulté, ils peuvent très bien arrêter la chirurgie quelques minutes. Ils vont se référer à une vidéo qui leur montre comment passer une difficulté qu'ils peuvent rencontrer. En plus, quand on visualise ces vidéos, on peut faire un arrêt sur image, on peut revenir en arrière si on n'a pas bien compris, alors qu'une formation présentielle, la formation, elle continue, elle continue. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des petits outils qui sont très pratiques, mais des outils qui ont une super importance pour pouvoir s'imprégner directement en live aussi, puisque j'ai des vidéos, c'est comme si on regardait cette vidéo ensemble, vous étiez mon assistante et vous voyez cette vidéo en live, en plus en montrant les difficultés et non pas justement que les succès.